Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment on est passé de ça à ça. Hello, moi c'est Émilie, la fondatrice de La Puzzlerie, le premier e-shop de puzzles neufs et d'occasion à destination des petits et grands, au design moderne et originaux que vous auriez presque envie d'accrocher dans votre salon. Il y a un an, je me suis lancé un défi, dépoussiérer l'univers du puzzle avec de jolis designs, mais pas seulement. Venez avec moi, je vous montre. De nombreuses marques de puzzles se sont lancées avec une production locale et des matériaux recyclés ou recyclables. Mais aujourd'hui, en termes d'éco-responsabilité, on sait que c'est plus suffisant. Alors si on changeait les choses, et si on arrêtait de surproduire du jetable pour réutiliser ce qu'on a déjà? À La Puzzlerie, ce qu'on propose, c'est une solution clé en main qui vous permet de revendre vos puzzles facilement et en vous faisant faire des économies. En 2020, le marché du puzzle représentait 630 millions rien qu'en France. On peut donc facilement imaginer le nombre de puzzles entassés dans les placards à prendre la poussière pour rien. Pendant près d'un an, nous avons testé et assemblé une tonne de puzzles. Nous avons cherché avec soin le fournisseur idéal pour vous proposer la crème de la crème du puzzle. À La Puzzlerie, nous sommes fiers de vous annoncer que nous lançons notre première collection de puzzles made in France sur le thème de la femme en co-création avec des illustrateurs français. Le choix du made in France était comme une évidence pour nous. Nous avons à cœur de soutenir l'économie locale, mais également de vous proposer des produits conçus pour durer et être réutilisés à l'infini. Nous avons sélectionné une qualité de puzzle incroyable grâce à une finition soft touch qui donne aux pièces un toucher doux et hyper agréable à manipuler. Les pièces des puzzles ont été spécialement designées pour être toutes différentes. Avec nos puzzles, pas d'erreur possible. Nous avons également inclus une affiche dans chaque boîte de puzzle pour vous aider lors de l'assemblage. Ce papier a été sélectionné dans une qualité supérieure que vous pourrez également accrocher une fois que vous aurez terminé votre puzzle. Enfin, parce qu'on a décidé de faire les choses jusqu'au bout, nos boîtes ont été pensées dans une dimension idéale pour limiter notre consommation de carton lors de l'expédition. Alors nous avons besoin de vous pour nous aider à limiter cette surproduction et à continuer de démocratiser notre concept d'économie circulaire inédit. Pièce après pièce, construisez avec nous le monde de demain.